Alors là, techniquement, on serait supposé être en 4K. C'est un test. Je viens de voir que j'ai du 4K, je savais pas. Alors, je me suis procuré un nouveau cellulaire dans le meilleur que je pouvais pour pas cher. C'est selon mon budget. Hein. J'avais un budget de 200$. Alors, c'est un iPhone 8. Il est Edge. Il est extra large l'écran. C'est pas trop gros, ça ferait de la grosseur de mon Windows Phone. Et je pensais que c'était juste du HD, mais je viens de voir que j'ai du 4K. Alors, je pense bien avoir du 4K, mais c'est, évidemment, je suis pas sûr de pouvoir faire des grosses vidéos. Ah oui, j'ai pris aussi 120 gigs. Combien de mémoire là-dessus? Je pense que j'ai 120 gigs de mémoire. Fait que... je pense que ça devrait faire l'affaire. Ça va être mieux que ce que j'ai actuellement. Alors, on peut dire que... on a upgradé. Que Mystique et Fantasia, c'est upgradé. J'avais beaucoup de caméras que j'ai achetées l'année passée. J'essayais d'avoir des appareils qui avaient plus de classe. Mais tout ce que je me suis procuré faisait pas mon affaire. Alors, je sais ce que tout le monde prend maintenant. Le 1 Apple. J'avais pensé à un Google Pixel. Mais les Pixels, ils font plus de 4K. What the fuck? Et en quel honneur? Alors, j'ai abandonné l'idée de Google Pixel, même si YouTube, c'est Google. Alors voilà, ça c'est mon véhicule. Qu'est-ce que ça donne en 4K? Pour l'exploration. Ok. Alors, je ne peux pas faire de très gros plans. Donc, voilà, il commence à faire noir, il va pleuvoir, il a fait beau toute la journée, mais si je fais une exploration, ça sera probablement pas aujourd'hui. Je vais attendre que le soleil sorte pour avoir l'effet vraiment du soleil dans les feuilles et vraiment aller vérifier ce que ça va donner. Ça va être une exploration test. Une exploration test Apple 8. XL. Le XL fait pas une grosse différence pour vous, là. Avec un petit peu plus de gig. Oh, il est où mon... Non, je suis con. J'ai pas mes clés. Oh, tabarnak. Oh, fiou. J'ai mes clés. Je pensais que je les avais plus. Alors ouais, je filme un peu n'importe quoi. Je vérifie en même temps l'ajustement automatique. Habituellement, je suis habitué d'ajuster à la main. Fait que ça me dérange pas trop que l'ajustement se fasse pas automatiquement. Je suis quelqu'un qui est habitué de filmer depuis très longtemps. Je m'ajuste même avec des appareils poches. Mais là, à un moment donné, ça prend un peu mieux. Fait que là... qu'est-ce qui arrive avec cet appareil-là? Étant donné que je l'ai payé moins cher, je l'ai pas payé 200. Hein? Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 170 à peu près, autour de ça. Mais j'ai ajouté une protection, un case de protection vert olive. Un vert olive qui va être... ah, je suis pris dans mon manteau. Le vert olive qui va... servir aussi de camouflage pour l'appareil. Le fait de camoufler l'appareil dans nature, j'ai vu que ça faisait une grosse différence. Les appareils rouges. Oh, il y a quelqu'un. Ah, c'est mon fils. Coucou. Bonjour, grand-graine.
Non. Je teste mon nouvel appareil. Un nouveau sel. Un nouveau sel et un nouveau case. Sérieux? Oui. Parce que j'ai un compte de téléphone maintenant, parce que je suis à la recherche d'emploi et parce que je vais vérifier. Et là, je le teste. J'ai 30 jours pour le tester pour voir s'il fait mieux que ce que j'ai. Ah, sinon, tu le renvoies? Parce que j'ai pas pris le plus cher, j'ai pris un 8. iPhone 8. Ben, iPhone. Ben oui, j'ai pris un iPhone. Honte à toi. Comment honte à moi? Savais-tu que Google Pixel a enlevé le 4K puis que j'ai du 4K là-dessus? Sur un iPhone 8, il y a du 4K. Bon. Ça, ça voit. Ah ouais, puis il y a 120 gigs de mémoire. Ben, je suis content pour toi. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est la caméra. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est jouer des jeux. Puis ça, c'est de la merde pour les jeux. Je m'en calisse, j'ai ma tablette pour jouer des jeux. Ah, justement. Ça, je me suis dit tout de suite. Pour jouer des jeux, c'est des tablettes. Ouais, mais t'en as une tablette, toi? T'as 30 000 affaires pour jouer à des jeux. C'est vraiment mauvaise, hein? C'est genre la 6e fois que je te dis que j'ai plus ma tablette. Mon fils, là, il a 2000 cellulaires. C'est même pas vrai, je n'ai un, il y a de la marde. Il y a un ordinateur haut de gamme, des vieux, mais que j'ai entièrement modifié pour qu'il soit extrêmement puissant. Un ordinateur vieux de 12 ans que quand j'ouvre Google, il crache, puis c'est pas une joke. C'est pas pour Google. C'est pas pour aller sur Internet. Comment t'ouvres Internet avec ça? Il est même pas connecté sur Internet. Ben, quand je le connecte, si je réussis, parce que c'est vraiment dur. Tu l'as testé quand j'étais pas là, hein, petit vrimeux. Ça sert à rien. Je te l'avais dit, ne le connecte pas parce qu'ils vont faire une mise à jour qui va le faire planter. Ben, j'ai pas fait de la mise à jour, j'ai téléchargé un truc. Non, non. Là, t'as un ordinateur de gamer et t'as environ 50 jeux. C'est pas plus. Et tu peux faire du graphisme là-dedans. Tu peux même créer des jeux, OK? Puis tu peux faire des montages vidéo aussi. Il est très bon, là. Il m'a mis servi à tout ça. Et en plus, il y a une Wii. Il y a Xbox One. Il y a le petit truc rouge et bleu, là. T'as ça, je suis sûr que t'as eu ça à Noël. Petit truc rouge et bleu. Ah, la gigus, là, que vous tenez dans vos mains, là. Je sais pas que ça. Ça ressemble à une affaire de rayon laser de Star Trek, là. Puis c'est des affaires de Mario Bros. C'est Nintendo qui a fait ça, là. Puis c'est rouge et bleu, là. Qu'est-ce que tu parles? Sais-tu, moi? C'est un peu de quoi il parle. Je suis sûr que t'en as un de ça. Non. Non. Que tu parles, mais c'est Nintendo Switch, c'est la marque. Oui, c'est un Switch. C'est la marque. J'ai fait une pizza, mais le tourier est brûlé. Je m'en fous, je la mange pareil. En plus, j'ai mis des nouveaux. Ça, là. J'ai mis des nouveaux là-dedans, là, des fuses. Puis dis-tu quoi, ça marche pas pareil, même avec des fuses neuves. C'est vraiment le four qui est capote. Faut que j'ajoute un nouveau four. Alors, pour ceux qui veulent me faire des dons, c'est le temps pour qu'on puisse manger une pizza qui a de l'allure. Montre-le dessous, gangrène. Montre-le dessous de ta pizza. Ah, puis je te traîne en cours. Vous allez comprendre pourquoi que mon fils, il a la gangrène. Je te traîne en cours si on voit mon visage. C'est pour ça qu'il y a la gangrène, c'est à cause du four. J'aurais dû le faire au micro-ondes aussi. Alors, je l'ai fait la moitié sur la. Une partie dans le four que ça a planté. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Je l'ai fait sur le rond et ensuite dans le micro-ondes. Ça a été de la grosse merde. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Rien. Pas cuire ce qu'on n'était pas pour manger. J'ai pris la peine d'acheter. Ah, j'ai été à faire mon épicerie à coop pour faire différent parce que j'ai utilisé l'épicerie de luxe au lieu de le maxi qui est pas cher. C'est quoi? C'est de luxe. Ils m'ont vendu des produits avariés et pas ces dates. Déjà, tu as au moins demandé un remboursement? Mais non, c'est trop loin, il faut que j'y aille en taxi. Les pâtes à pizza sont même pas bonnes. Ça n'est, ça gonfle pas. C'est juste la même crise de pâtes qu'ils vendent dans un sachet, là. C'est la même pâte. C'est même pas de la après, vraie. Ils vendent plus de choses que l'autre magasin. Parce que, vu que avant, je faisais de la pizza. Moi, je travaillais dans un restaurateur de pizza. Puis j'ai dit, je vais me faire mes propres pizzas. Crise de merde. Et tout ce qui était en spécial, c'est parce que c'était pas assez date. Ben normal, c'est un peu de ta faute. Non, ils ont pas le droit au maxi. Ils font même plus ça parce qu'ils avaient pas le droit. Regarde, ils m'ont vendu ça ici, là. Pas assez date. À moins que tu veux y aller en basic. Je le vois pas. Je l'ai pas ouvert, j'ai regardé la date. Il y a 10 ans, il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Mais les pâtes, il y a 10 jours. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Hier. Mais c'est ta faute de pas regarder. Ce gâteau-là, j'ai mangé à moitié, mais il est pas assez date, puis il est vraiment dégueulasse. En plus, il y a des raisins secs dedans. C'est ta faute, tu regardes pas la date, là, par exemple, je peux plus rien faire pour toi. C'est pas de ma faute, c'est de la leur. C'est eux qui ont la responsabilité de nous vendre des produits qui sont pas passés date. Christian, ils ont des employés pour vérifier ça chaque jour. T'es juste chanceux d'avoir pogné ça. Je suis pas chanceux, je suis mal chanceux. C'est jamais arrivé toute ma vie, moi. Ben moi, ça m'arrive à chaque fois que je vais là. Puis toi, t'as jamais fait l'épicerie à coop. Comment tu fais ça t'arrive de toute ta vie? Bon, allez, encore en train de me chicaner avec mon fils, sacrement. Oh. Enfant de nanane. Alors, je sais pas si je peux me connecter direct. T'as des dettes du gouvernement, là. Hey, t'as gueule, j'ai pas de dettes du gouvernement. Alors, je vais vérifier si je peux envoyer ça directement sur YouTube. Envoyez-moi des pouces bleus si vous êtes content que j'ai un nouvel appareil et ce que vous en pensez.
la partie HD, la partie 4K. C'est-tu vraiment 4K? On va le voir en le mettant en ligne, justement, si YouTube nous propose de le mettre en 4K. Je sais que c'est 4K. Check that. Oh my God, c'est flou. C'est sûr que c'est pas l'écran qui est 4K? Ben là, c'est pas l'écran, c'est ce que tu fais qui est 4K. T'es sûr que c'est pas l'écran? Parce qu'il y a une caméra 4K. C'est pas un écran 4K, arrête des conneries.